Donc, en Hollande, c'est là où après une semaine, on s'est habillé pour la première fois en père blanc, dans cette espèce de gandoura tout blanc, avec une burnous, un grand cap et un grand rosaire ou chapelet autour du cou, sans le crucifix, sans Jésus sur la croix, parce que l'abbégerie, le cardinal qui a créé les pères blancs, n'a pas voulu heurter les susceptibilités des musulmans. Il a créé les pères blancs en Afrique du Nord, surtout en vue de convertir les musulmans. Je faisais rigoler une fois Monder Kilani en disant « J'étais programmé pour te convertir, c'est quand même grave que tu es toujours aussi mécréant, même pas musulman, et que moi c'est pire encore. » Et donc, si on était habillé comme Laurence d'Arabie, c'était effectivement que la bijouterie voulait que les pères blancs s'adaptent en tout à la culture locale, si vous voulez, africain avec les Africains. Et donc, on s'habille en pères blancs. La maison était divisée en deux. À côté droite, il y avait ce qu'on appelait le scolastica. Là, il y avait 300 scolastiques, séminaristes, qui faisaient de la théologie. Nous, on était dans la partie gauche, derrière un grand rideau de bois, un grand cloison qui coupait la maison. Parce qu'il fallait absolument éviter que les pieux novices soient contaminés par ces théologiens plus ou moins modernisants de l'autre côté du rideau de bois. Moi, j'étais le seul à passer à côté parce que le seul évier qui était près de ma cellule était de l'autre côté de la barrière en bois. Le père maître était un type ultra gentil, ultra pieux, très, très comme il faut, une espèce d'espagnol, néerlandais, barbiche à la Hidalgo, et toujours les mains jointes. Je l'aimais beaucoup. Il était devenu un copain plus tard, parce que je l'ai retrouvé plus tard à Londres, très aigri, le pauvre, parce que lui qui avait prié toute sa vie pour les confrères morts, il se rendait compte que les jeunes ne croyaient plus au purgatoire. Et donc, il avait été baisé. Il a prié pour rien. On l'avait couillonné. Il était vraiment très fâché. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais je veux dire, On était très... De nouveau, c'était... Il y a les deux côtés, un côté très pieux. Par exemple, pendant le carnaval, c'est cette région de la Hollande et de l'Allemagne où le carnaval, là, c'est pas Rio, évidemment. Il fait trop froid. Il faut se mettre les nichons en l'air. Mais quand même, ça dégénère parfois dans les bas-fonds de ces bleds. Et nous, on était là pendant 3 jours du carnaval à prier jour et nuit, parce que le Saint-Sacrement était exposé pendant 24 heures pour que nous puissions, par nos prières, expier toutes ces fornications et viols et vols qui se passaient en dehors de la maison. On entendait le boucan, si tu veux, on était en train de prier comme dans une usine de prière tibétaine, quoi. C'était assez... Et oui, on se levait à 5 heures, la messe, méditation, des lectures spirituelles, des conférences. Et on expliquait le programme des Pères Blancs, en fait. Mais j'ai dit, c'était pas borné. Pendant tout le carême, le Père Maître m'a donné la permission de faire un tableau, comme il savait que je... On ne vous brimait pas, on essayait d'encourager Vos talents, vos dons, comme ils savaient que je me débrouillais plus ou moins, n'exagérons rien, comme pas, il m'a dit, mais vous pouvez pendant tout le crâne faire un grand poster. Heureusement, on l'a brûlé, parce qu'on voyait, Jésus toujours sous la croix, et dans un coin, les braves missionnaires qui arrivaient pour convertir les Africains,
Et dans les bas-fonds, tu avais un méchant marxiste et un musulman encore plus méchant que nous écrasions, si tu veux. C'était hallucinant. Moi, je suis parti de très loin. Bon, comme j'ai dit, c'était, on travaillait dur aussi physiquement. Moi, on devait frotter les couloirs étaient en céramique, et donc il fallait les gens avec leurs sandales laisser des traces de caoutchouc noir partout, et on devait frotter comme des dingues, et on devait berouetter le coke, le charbon, c'était du charbon, on chauffait sur la centrale avec le coke. J'ai des photos de moi comme un mineur, j'étais enfin dans la mine, il y avait des immenses chaudières comme sur le Queen Mary pour chauffer toute cette immense. J'ai des photos de moi en train de surveiller des cochons. On avait des cochons. Les pères blancs, on faisait tout. J'ai fabriqué des sandales, j'ai fabriqué toutes sortes. On faisait de la forge, de la menuiserie. C'était vraiment. Il y avait des frères blancs aussi. On a fini par avoir des frères pères blancs noirs, si tu veux, à la fin du bazar. Mais là, on boulottait vraiment. La moitié de la journée, c'était on avait une gandoura du travail. C'était encore, si vous voulez, la Hollande était encore assez catholique, mais puritaine, si vous voulez, parce qu'on jouait au foot dans les bleus du travail. Il ne fallait pas que les croyants du cru voient les genoux des futurs prêtres, si tu veux. On ne sait jamais. Les genoux, ça symbolise toutes sortes de choses. Donc, on jouait au foot et au tennis dans les bleus du travail. Les souvenirs du noviciat, c'est effectivement qu'il y avait encore. J'ai parlé de la punition corporelle chez les jésuites, mais existait encore, et peut-être toujours, je n'en sais strictement rien, mais la mortification dans le sens de mortifier, de faire mourir la chair, si vous voulez. Le père maître, au début du carême, a dit, mais sans obligation, qu'il avait à la disposition des vrais croyants, des plus pieux parmi nous, des cilices, ça veut dire des chemises en laine dure, grattant, que vous pouviez mettre en dessous pour souffrir, pour expier vos péchés, et aussi des bracelets en fil de fer barbelé, qui étaient fabriqués par les carmélites, des nonnettes passaient leur vie à fabriquer et à aiguiser les poings. Et vous mettiez ça autour de votre bras en serrant plus ou moins fort pour ne pas faire saigner votre gandoura. À ce moment-là, ça serait de l'exhibitionnisme, si tu veux. S'il y avait du sang sur le gandoura, on aurait dit un miracle. C'est un type mais ultra ascète à canoniser sur le champ, donc il fallait être prudent. Donc il y avait encore à l'époque, je ne comprends pas qu'on puisse jeûner et se faire du mal dans un contexte de spiritualité, surtout quand tu lis que Jésus guindaillait, qu'il a dit, voilà, il allait chez les prostituées, chez les pharisiens, il guindaillait avec les gens, il jeûnait pas, il dit, de toute façon, pour lui, tout est défini et foutu, donc autant profiter des derniers soubresauts avant que son père clôture les comptes et écrase tout le monde. Et donc, comment est-ce qu'on arrive, si tu veux, dans une idéologie à ces extrêmes et à les justifier et à les trouver normales? Moi, j'ai porté pendant au moins 5 secondes un petit bracelet aiguisé comme ça. Moi, je ne suis pas à ce point masochiste non plus, mais j'étais, quand je suis finalement décidé d'aller demander, parce que tu sais jamais, si tu demandes pas, et tu es le seul à ne pas demander, on va dire, allez, t'es pas digne d'être père blanc. Donc je suis finalement allé demander au père maître, est-ce qu'il n'avait pas encore. Il a dit, c'est le dernier, je vous. Donc, la plupart des autres types étaient déjà en train de saigner comme des bœufs ou de porter des cilices. C'est complètement hallucinant aujourd'hui. On voit ces derviches qui se flagellent, ces pénitents
par tout le monde qui mettent des clous dans leurs genoux, et ces types aux Philippines qui se font crucifier. Comment est-ce qu'on imagine déjà que Dieu ait fait crucifier son fils? C'est déjà quelque chose de complètement aberrant. Mais que pour être vraiment pieux, il fallait se flageller, je ne comprends pas, si Dieu. Dans un but d'autodiscipline, qu'on serre la ceinture, oui, d'accord. Mais imaginez que ça a un lien avec une religiosité sublime, c'est quand même, il fallait freiner à temps. Et on ne l'a pas fait. J'ai connu en Irlande des congrégations qui, tous les vendredis, dans le noir, dans l'église, se flagellaient sérieusement, si tu veux. Entre autres, les rédemptoristes. Les pères blancs ne sont jamais allés jusqu'à ces extrémités-là. Ce qui était aussi le père Maître avait aussi inventé ou introduit ce qu'il appelait la correction indirecte fraternelle. Ça veut dire, si tu voulais, c'était pas obligatoire, mais si tu voulais, tu pouvais demander à ce qu'il nomme deux correcteurs, deux confrères anonymes qui allaient dresser une liste de tout ce qui leur faisait chier, tout ce qui leur tapait sous les nerfs, si tu veux, par rapport à ta propre personne. Tout le monde, en innocence, imagine qu'il est le bienvenu, qu'il ne pue pas la rage, que tout le monde le trouve sympa. Alors là, moi, j'ai dit, bon, alors, de nouveau, tu ne sais jamais, c'était le seul à ne pas demander à passer par la fourche caudine de la correction fraternelle indirecte. Tu es gezine, comme disent les Flamands, tu es un peu marginalisé. Donc j'ai dit, bon, allons-y. Et je me rappelle, parmi les remarques, c'était, il ne change pas assez souvent ses chaussettes. Et il a un sens de l'humour assez macabre. Ouais, c'est pas à cause du grand-père maternel croque-mort. Quand tu as affaire à des clients qui ne sont pas très réagissants, tu deviens un sens de l'humour sacrilège aussi. Ça les avait scandalisés. Il ne va pas jusqu'à allumer ses cigares dans le sanctuaire avec les lampes rouges qui brûlent. Mais c'est comme si tu veux. Vous dites, pourquoi des cigares? Parce qu'on avait des cigares. Un des novices était de la grande famille des Willem Twee. C'est un grand fabrique de cigares. Donc, on avait des cigares bon marché. En Angleterre, il n'y avait que Churchill qui fumait des cigares. Nous, on le vicieux. Pendant les heures de récréation, c'était tout cela avec des cigares immensément phalliques en train de sucer ces trucs. C'était apocalyptique. Donc, il y avait ça. Il y avait aussi, c'était très, très sympa, parce qu'il y avait aussi quelques vieux frères qui avaient fait la mission à l'époque où ils allaient à pied de Dar es Salaam jusqu'au lac, ou en Afrique de l'Ouest, et ils terminaient le jour. C'était sympa, parce qu'ils étaient intégrés, on les écoutait religieusement. Il y avait un qui jouait au bridge, mais avec un félou, mais il gagnait à tous les coups, un tricheur né, il avait 99 ans. Mais absolument génial. Il y avait un autre un peu simplet, parce que j'ai dû vider ça. Il est mort pendant le noviciat. Son boulot, c'était de remplir des bols avec de la margarine. On appelait le frère beurrier. Pour le goûter, il remplissait les trucs. Et c'était hollandais, donc il avait toujours des sabots. Moi, j'ai eu des sabots en bois aussi. Ça fait très mal aux pieds, jusqu'à ce que ça soit endurci. Et lui, je crois qu'il dormait avec. Il ne les a jamais enlevés, parce que quand on a nettoyé sa cellule, il y avait tellement de terre, et il pissait dans sa culotte aussi, où il n'y avait pas de culotte. Ça, c'est vrai. Avec un gandoura, il y avait, quand il fait très chaud, un peu comme les Écossais. Ouais, j'ai passé des mois sans rien en dessous. C'est très hygiénique. Mais lui, à mon avis, il pissait par terre, parce que en dessous de son bureau, il y avait des champignons. C'était un champignonnier. Bon, il y a des petites choses comme ça. Et puis, j'ai passé un mois à trier des pommes. Il y avait un grand verger dans le jardin. Et
on cueillait les pommes en automne et puis on les mettait dans la cave sur des grandes clés. Et au fur et à mesure qu'ils pourrissaient, on envoyait en haut pour être bouffés les pourris et on mettait les frais. C'était pas... Les sœurs qui faisaient la cuisine, c'était trois sœurs allemandes, je te jure. Je suis pas compliqué, comme anglais, je suis pas compliqué pour la bouffe, mais là, c'était vraiment... Surtout que, je sais pas pourquoi, la seule chose qui me plaisait, il y avait du beurre de cacahuète. Ça, c'était très bon. Mais pour le reste, on bouffait du pain, c'était des pavés de béton, avec, paradoxalement, des cake decorations. C'était, tu sais, les petits trucs colorés qu'on met sur les gâteaux, on mettait ça sur... C'était, de nouveau, bon, on avait... C'est un peu bizarre. Les Pères Blancs n'ont pas de vœux. Canoniquement, c'était une société de prêtres séculiers, mais vivant en communauté. Donc, on n'avait pas de vœux religieux à proprement parler. Bon, célibat, obéissance, pauvreté, il fallait vivre pauvrement. Mais on devait gérer ses sous soi-même. Donc, il y avait. Si tu avais beaucoup de sous, il y avait des fils à papa, il y avait des aristocrates qui pouvaient se payer des Land Rover climatisés. Il y avait des pauvres cons comme moi qui avaient du mal à acheter un vélo, si tu veux. Et on vivait grâce à des honoraires de messe, si tu veux. On recevait, je ne me rappelle plus le tarif à l'époque, mais les gens se payaient des messes à Tir-la-Rigaud pour faire sortir du purgatoire des âmes qui étaient peut-être venues en rêve, leur dire « je crame, fais un effort, là, pousse-moi un peu plus ». Parce qu'il y avait un musée de purgatoire à Rome où tu avais des mains brûlées dans des draps et toutes sortes de choses. Bon, un des papes a dit « non, on arrête les frais ». Mais pendant longtemps, il y avait même des confréries qui passaient leur vie à prier pour les âmes au purgatoire. Et donc, on vivait... Je ne sais pas comment les pauvres curés vivent maintenant, parce qu'il n'y a plus personne qui se paye des messes comme ça. Il y avait même des ce qu'on appelle... Parce qu'à Rome, comme étudiant, on devait acheter pas mal de bouquins. Donc, on avait besoin parfois de gros sous, des bouquins de philo. Ça se vend... Ça se édite en 5 exemplaires, ça se vend en 1. Et donc, il fallait acheter ça. Et le père économe, sachant qu'on avait besoin de sous, nous refilait ce qu'on appelait des grégoriens, des messes grégoriennes. Ça veut dire les chrétiens riches qui pouvaient se payer une série de messes non-stop, une trentaine, ça veut dire 30 messes sans interruption. C'était double le prix, double le tarif. Mais si malheureusement tu étais malade, et tu arrêtais un jour, tu étais au lit, il fallait tout recommencer. Ou tu pouvais sous-traiter, tu pouvais sous-louer la messe ce jour-là pour rentrer dans tes sous, quoi. C'est tout ça, je dis, est-ce que les braves chrétiens... Comment est-ce que des braves gens intelligents aient pu penser à ça, si tu veux? Comment est-ce qu'une église qui commence... Une église, un mouvement qui commence avec ce brave type Jésus finit dans ces extrêmes-là? C'est très intéressant, comme anthropologue, de voir tous ces seuils critiques par lesquels une idéologie passe jusqu'à devenir complètement extravagant, si vous voulez... Comme on dit en latin, principis obstat, c'est au début qu'il faut arrêter, qu'il faut freiner à temps, ou vous êtes dans le déco. Ça, c'est clair. Et c'est vrai, en anthropologie, si tu pars sur un mauvais pied, tu peux continuer toute ta vie à chercher des structures, à chercher des symboles qui n'existent pas, sauf parce que tu as cru au départ qu'il fallait absolument trouver des structures. On est tous... piégé par ce point de départ paradigmatique. Il faut vraiment s'arrêter à temps pour ne pas se retrouver dans le décor. Et donc, voilà le noviciat qui n'était pas mauvais. Je dis, j'ai jamais été malheureux, j'ai trouvé ça sympa. Mais là, on était déjà dans une communauté internationale beaucoup plus grande. Il y avait d'abord les Hollandais, il y avait des Allemands... Et un Autrichien. Et donc,
Donc, de nouveau, ce n'était pas évident. Les années 50, on est à peine sorti de la guerre. Les Allemands, ce n'était pas exactement nos amis. Mais j'ai toujours eu beaucoup d'amis chez les pères blancs allemands, si tu veux. C'est ça qui est terrible. Les Allemands, dans le stéréotype, dans l'imaginaire, c'est pas piquer le verre. Et quand tu rencontres des Allemands, entre guillemets, normaux, ils sont tout, paradoxalement, tout à fait normaux, même ultra sympas. Bien que j'ai connu des pères blancs qui avaient fait la guerre dans l'armée allemande. Je connais même un prof allemand qui était commandant d'un U-boat, si tu veux, et qui sont redevenus missionnaires après. Il n'y avait pas de choix. Comme le brave pape qui était dans Benoît XVI, SS, ça allait de soi. Et donc, à la fin du novice, il fermait, c'était 57, il fermait Serenberg pour aller dans une nouvelle maison dans le nord de l'Angleterre, à Totteridge. Et donc, on nous a dit, vous avez le choix maintenant pour vos années de théologie, soit d'aller à Londres, soit d'aller il y avait une maison au Canada quelque part, je ne me rappelle plus le nom, Eastview, je ne me rappelle pas, c'était dans le parti francophone. Et puis, il y avait en Belgique, à Evelay, aussi une maison, mais qui était plus ou moins réservée pour des Belges, parce que Léopold II a permis aux Pères Blancs d'aller au Congo, pourvu qu'il n'y ait pas de Français là-dedans. Parce qu'il craignait que, via la Vigerie, la France s'infiltre dans ses affaires. Donc il a dit, les Pères Blancs, c'est bon, mais qu'ils soient Belges, de préférence. Et donc, la partie belge a souvent été un peu trop clôturé entre des belgo-belges, avec des problèmes flamands et wallons, évidemment. Ou Carthage. Carthage, c'était la maison mère des Pères Blancs, c'était Maison Carrée à Alger. Mais la Vigerie avait repris en main la chrétienté de l'Afrique du Nord et avait créé à Carthage un superbe basilique avec un immense scolastica. Je suis retourné il y a quelques semaines. Tout ça est devenu propriété de l'État. Je suis allé visiter le basilique. Il y avait une démonstration de bikini ou quelque chose comme ça dans la cathédrale où j'ai prié et chanté le grégorien et souffert avec les pieds noirs de l'omniprésence des hordes musulmans qui nous entouraient, etc. Là, il y avait un show de bikini ou quelque chose du genre. Sikh Transit, et là, on a foiré, on n'a pas réussi. Je dirais après que c'est... Les musulmans nous l'ont dit, d'ailleurs. Il y avait un numéro de jeunes Afrique qui a parlé de la deuxième faillite d'Augustin, si tu veux. Que ça n'avait pas très bien marché, cette idée de convertir les musulmans. Et donc, les Français, je ne pouvais pas les piffer. Comme Anglais qui se respecte, aller chez des frogs, aller bouffer des grenouilles et du fromage puant. Non, non, pas question. J'avais fait du français. 6 années de français. Mais à part dire bonjour avec un accent aussi approximatif que l'accent actuel, je dis non, non, Angleterre ou nulle part. Je n'avais pas compris le programme. Ça veut dire, Saint-Ignace disait, il faut toujours aller à l'encontre de ce que quelqu'un veut. Agere contra. Le couillonner, prendre le contre-pied. Si j'avais dit que je voulais à tout prix aller à Carthage, on m'aurait envoyé à Londres. Mais moi, je dis, ni Carthage, ni le Canada, la Belgique, pas question. Londres, alors on m'a envoyé à Carthage, si tu veux. Donc, j'ai jamais regretté ça. Jamais regretté ça. Donc, je me retrouve après... Bon, on est parti. Bon, on avait un petit break. On pouvait aller revoir nos parents. Je suis repassé une semaine chez moi dans l'Angleterre. Et puis, on repart de nouveau. Il n'y avait pas d'avion à l'époque.
Il n'y avait pas d'avion. Et donc, le train, Angleterre, on est passé par Bruxelles parce que c'était l'année de l'expo. Ça, je me rappelle très bien. On a passé par l'expo. Et puis, on descend sur Marseille. On prend le bateau pour la Tunisie. C'est un vieux paquebot préhistorique. Il y a une première classe où il y a les colons. Il y a une seconde classe où il y a les pieds noirs haut de gamme. Et puis, il y a une troisième classe pour les chameaux, les arabes et les pères blancs. On était là sous le pont. C'était une époque assez dangereuse parce que la guerre d'Algérie venait d'éclater. On a fait sauter l'un ou l'autre bateau. Donc, on a passé la nuit sous le pont à réciter le chapelet dans l'espoir qu'il n'y ait pas de plastique dans la cale. On débarque à Tunis, habillé en pelle blanc, comme il se doit. Première chose que je reçois, ce n'est pas un bienvenu dans notre pays. Ça se fait maintenant qu'il faut des touristes. Mais un grand caillou en pleine figure. Bon, ça commence bien. On nous amène jusqu'à Carthage, à quelques kilomètres de là. Le père supérieur est là, il nous accueille, il nous explique le programme. Première chose dont je me rappelle aussi, il a dit, attention, si un gamin musulman vous demande le temps, ne lui montrez jamais le temps. Parce que ton truc, il est sous le poignet. Et vous retroussez votre manche, ça veut dire que vous n'êtes pas circoncis. à quoi rêvent les vieux pèlerins? Mais ce n'était pas d'être vrai, à la limite, mais c'était vraiment pour se foutre des non-circoncis. Et donc, bon, on va. C'était. C'est dommage que je n'ai pas de photos, je peux montrer des photos, mais c'est une vieille caserne, quoi. Mais au milieu des ruines de Carthage, Dieu sait combien de civilisations sont passées par là. Il y avait le préhistorique, il y avait le phénicien, il y avait les romains, les grecs, les byzantins, les vandales. Il y avait de tout empilé les uns sur les autres. Et dans le jardin, on pataugeait au milieu des stèles, des statues d'Aphrodite, des urnes, des amphores. C'était hallucinant. Carthage, ça grouille de ruines, de vestiges. C'était vraiment. Il y avait deux ou trois pères blancs qui étaient spécialisés dans l'archéologie nord-africaine, qui habitaient dans la maison, qui nous donnaient des conférences de temps en temps. Et on dormait au milieu de tout ça. C'est quand même fou d'imaginer que tu passes quatre années. Dans un truc où les touristes payent les yeux de la tête pour aller voir ça. Parce que ça est devenu un musée. Le dortoir où j'ai dormi est une salle d'exposition maintenant. À un de mes souvenirs à l'époque aussi, c'était des petites cubicles, des petites slots où on avait un lit, c'est tout. On avait des chambres à deux où on étudiait ensemble. Et puis, la nuit, les nouveaux arrivaient dormaient dans ces grands dortoirs communs. Et je me rappelle, le premier mois qu'on est là, tout d'un coup, il y a un Italien qui crie « La Madonna, la Madonna, la Madonna, une apparition !» Et effectivement, il y avait des flashs dans le dortoir, des flashs. Et tout le monde se met à genoux. Et un Français dit, mais vous êtes des cons, c'est la phare de Sidi Bouzaïd qui passe, qui fait des flashs comme ça. On a dit, zut, pas de miracle, pas d'apparition. On a été baisés encore une fois. Il ne se passe rien. Mais c'est vrai, là, c'était l'international en plein. Il y avait des Espagnols, des Italiens. Il y avait vraiment de tous les pays européens. Et ça, je suis toujours, je remercie Dieu de m'avoir fait père blanc pour un temps, parce que ça te donne une vision transnationale, si tu veux. Là, il fallait faire attention de ne pas marcher les pieds les uns sur les autres. Il y avait un jour par an où vous pouviez parler votre langue maternelle, mais nous, les Anglais, on était une demi-douzaine, on ne l'a jamais fait, parce qu'on était plus copains avec des Italiens ou avec des Espagnols ou avec des Français.
qu'entre nous. Donc, on était totalement dénationalisés. J'ai toujours vécu dans l'international, si tu veux, partout, même en Wallonie.